voitures étaient abandonnées, elles avaient été cannibalisées, c'est-à-dire qu'on avait prélevé des pièces pour notre activité de maintenance. Elles avaient pu être dégradées, vandalisées, squattées, et elles étaient vraiment dans un état de délabrement. C'est les voitures les plus abîmées du parc, pour lesquelles on n'avait pas de vocation commerciale derrière. Donc avant de les retraiter, nous, on a dû faire un travail conséquent de remise à niveau. Pour une partie des voitures, elles étaient prêtes à être radiées. Donc c'est quasiment de la reconstruction qu'on a fait avec ces voitures. Elles sont passées en chaudronnerie, elles sont passées dans du démontage, électricité. On a complètement remis des gaines dans toutes les voitures. Ajouté des fonctionnalités, Wi-Fi, centrale incendie, et puis on les a complètement rénovées à l'intérieur. Wow. 4000 heures de travail environ par voiture pour une voiture couchette. Et entre 2500 et 3000 heures de travail pour une voiture siège. Donc le train de nuit, ce qui a été demandé, donc principalement une modernisation des sanitaires, on le voit ici, donc des vasques et des systèmes de meubles hauts, bien éclairés, propres, de l'éclairage LED pour que ce soit plus économique. Donc là on se situe sur un compartiment donc, de voiture première classe, donc on va retrouver 4 couchettes où sur une seconde classe on aura 6 couchettes. La modernisation en elle-même donc, comporte l'installation de nouvelles prises, éclairage à LED dans les compartiments. Pour la partie première classe, vous avez du capitonnage pour définition quand même plus agréable. La modernisation au niveau des supports d'accessoires, des tablettes,